d'exercer sur les groupes armés, de déposer les armes comme le Conseil de sécurité l'a demandé, de reprendre le processus de cantonnement pour qu'il y ait une différence entre les groupes armés et les terroristes narcotrafiquants djihadistes et venir à la table de négociation. Et nous avons dit que ces négociations vont se dérouler en territoire malien, en application de la résolution 2100 qui reconnaît, qui réaffirme l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali, tout comme l'accord de Ouagadougou qui se situe. Maintenant, pour la deuxième question de mon frère du Kenya, et on a dit dans notre dommage qu'on n'a pas pu lire toute notre présentation, on a dit que depuis 1991 au Mali, la démocratie est arrivée avec son lot de liberté, y compris la liberté d'association. Donc, les salafistes, ils sont là-bas, ils ont leurs...